Bonjour à tous. Nous allons attendre une petite minute, comme d'habitude, pour laisser le temps aux autres de nous rejoindre. Alors, en attendant que les autres arrivent, je vais saluer les personnes qui sont déjà là. Sundar est avec nous, Yossi est là, Apple's Lover est là, Ritem est là aussi, Amira est là, Lorcy est là, Chaton est là, ça nous fait plaisir de vous revoir, Victoria Jacques est là, Kangaroo Rabbit est là, Victoria Posse est là, I Just Called est avec nous, Save the Best est là aussi, Meiso est là, Sophia X est avec nous aussi, donc on va laisser le temps aux autres de nous rejoindre en commençant avec une petite chose, donc avant de commencer les choses sérieuses. Allez, avant de commencer les choses sérieuses et en attendant que les autres arrivent, dites-moi quand est-ce que recommence l'école chez vous? Donc l'école recommence quand dans votre pays? Alors, c'est Daria qui nous rejoint et qui est la première à nous dire « L'école recommence le 1er septembre, c'est le jour de la connaissance. » Morteza nous dit également « Le 1er septembre. » Ah, Daria corrige « La connaissance et la puissance. » Ritem qui dit « On ne sait pas, d'accord. » Sophia X qui dit « Les écoles primaires et secondaires ont commencé il y a... » une semaine. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent participer? Oui, Widad nous dit, chez nous, ils n'ont pas encore fixé une date précise. Attention, Widad, féminin précise, parce que date, c'est féminin. Nels Abrams qui nous dit, désormais, je ne sais pas quand les écoles recommencent. Je suis trop ancien. Oh, c'était une question générale. Moi, c'est pareil. Je n'y vais plus à l'école. Ice Cubes qui nous rejoint. Bonsoir. Victoria Jacques qui nous dit « L'école a commencé pour certains. » Donc, certains virtuels et certains en personne. D'accord. Meiso, maintenant, tout est fermé. Ok. Amira qui nous dit « Le 17 octobre. » Yulia qui dit « À mon âge, on ne parle plus de... Hein, on parle plus de retraite que d'école. » Un petit peu comme Nels. Hein. Yossi, à 6 ans, probablement. Mais non, Yossi, c'était la date. C'était la date, Yossi. Mais ça n'est pas grave. Victoria Posse qui nous dit, en Espagne, ils ont commencé le 8 septembre et ils entrent en cours. D'accord. Joseph nous rejoint. Bonjour. Adrienne B qui dit, je ne sais pas exactement quand ils commencent. Je ne suis pas au courant de ces choses. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup en tout cas. Et on va attaquer la véritable première rubrique.
Allez, c'est la question du jour. Et la question du jour, c'est quel personnage historique voudriez-vous avoir été ou être? Et pour quelle raison? Alors, choisissez un personnage historique que vous voudriez être ou avoir été. Et pour quelle raison? Alors Olga qui n'entend rien, mais ça n'est pas ma faute Olga, je suis désolé, soit il y a de la musique ou alors il y a ma voix. Alors j'attends toujours vos réponses et regardez, Daria est toujours très 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 rapide. Et elle dit « Je suis heureuse d'être moi ». Oui, oui, non, bien sûr, on est heureux d'être soi. « J'aime beaucoup Lady Diana, mais sa vie n'était pas toujours facile et heureuse, c'est vrai. Nels Abrams qui dit « Peut-être Albert Einstein, il doit être fantastique de comprendre l'univers comme lui l'a fait ». C'est vrai, effectivement. Nels, attention, univers en français, il n'y a pas de « e » à la fin. D'accord. Yvette nous rejoint. Bonjour Yvette. Zao nous rejoint aussi. Ash Watson nous rejoint. Mais alors, personne ne veut répondre à ma question, à part les deux courageux Daria et Nels. J'attends désespérément. Je vais peut-être cliquer pour mettre de la musique. Une musique qui va vous inspirer, je l'espère. Alors, une courageuse, et c'est Daniel Ferrari qui nous dit « Si possible, je voudrais être la reine d'Angleterre, car elle est éternelle. » Oui, alors éternelle, il faut le mettre au féminin. Et donc, vous allez le mettre le féminin « E-L-L-E ». D'accord ? Morteza, non, Morteza, pas de blague avec Hitler. En Europe, on fait rarement, très rarement des blagues avec lui. Donc, je vais éviter de commenter cette chose-là. Barty, peut-être que je choisis Coco Chanel parce qu'elle a fait beaucoup pour les femmes. Et ça, c'est vrai. Julia qui nous dit « Moi, j'ai toujours aimé Alexandre le Grand. Quand j'étais une enfant, j'ai lu LU, beaucoup de légendes à propos de lui et il semble quelqu'un de très juste et pour moi la justice est très importante avec un E, faites attention. Alors, Victoria Possé, j'aimerais être Louis XIV parce que toute la journée j'étais à Versailles dans ses beaux jardins. Oui, c'est vrai. Mais Victoria, maintenant il y a le système avec la musique classique en permanence. Peut-être que c'est plus pratique maintenant, je ne sais pas. Chaton, c'est dommage qu'elle et Alain Delon n'aient pas d'enfants. Qui ? Mais qui ça ? Qui n'a pas eu d'enfant avec Alain Delon ?
Ah, c'était une question qui ne vous a pas inspiré. Je viens de le remarquer. Allez, on continue avec la rubrique suivante. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous et c'est la bonne nouvelle du jour. J'ai appris que TV5 Monde a lancé une plateforme qui s'appelle TV5 Monde Plus. Si vous allez sur cette plateforme, eh bien, vous allez voir que c'est formidable parce qu'il y aura des films, il y a des séries, il y a des documentaires et il y a des émissions de divertissement. Vous aurez également pour les personnes. Alors oui, excusez-moi. Quand vous allez regarder les séries ou les films, apparemment, d'après l'information que j'ai eue, 80% des séries ou des documentaires ou des films sont disponibles dans d'autres langues, c'est-à-dire ils sont en français, mais vous pouvez activer le sous-titrage, comme vous le voyez en français, en allemand, en anglais, en arabe ou en espagnol. Alors regardez, hein, je n'ai pas testé tous les films ou toutes les séries. Une autre chose qui pourra peut-être vous intéresser si vous aimez les podcasts, il y a des podcasts de Radio-Canada, il y a aussi des podcasts de la radio-télévision suisse, il y a des podcasts de la radio-télévision belge. Et il y a aussi des podcasts de RFI, Radio France Internationale, et bien évidemment Radio France. Voilà. Donc, si ça vous intéresse, et je pense que vraiment, vraiment, ça peut être très, très intéressant pour vous, allez à cette adresse-là, TV5 Monde Plus. C'est la nouvelle plateforme de TV5 Monde, et c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin de payer pour vous en servir. Voilà. J'espère que vraiment vous allez l'utiliser. Puis vous pourrez me faire des commentaires peut-être la semaine prochaine si vous l'avez testé. Allez, on va tester cette nouvelle rubrique, ça s'appelle les blagues du jour. Comme je vous l'ai dit, on utilise tout ce qu'on peut, tout ce qu'on veut pour essayer de se servir de la langue du français. Et une chose qui est assez intéressante, c'est les blagues. Les blagues, ça vous permet aussi de découvrir ce qui peut faire rire les Français ou les francophones. J'ai sélectionné deux blagues. Alors, vous les trouverez drôles ou pas, finalement, ça n'est pas trop notre problème. L'idée, c'est de travailler sur la langue, et là, c'est la première. Et regardez, c'est une question que je vous pose. Comment reconnaître un politicien ou une politicienne qui ment, qui ne dit pas la vérité? À votre avis, comment peut-on reconnaître un politicien ou une politicienne qui ment? Allez, j'attends vos réponses.
Alors, vos réponses commencent à arriver. Julia qui dit, je pense que c'est une blague sexiste. Alors, Julia, si vous pouvez trouver une portion microscopique de sexisme dans les émissions que nous avons ensemble, les cours que nous avons ensemble, là, je ne sais pas quoi dire. Mais non, c'est pas sexiste. Joseph, il parle beaucoup ou il ou elle dit des bêtises. Jennifer Doucet, sa bouche est ouverte. Chaton, Bill Clinton, mais non, c'est en général. Nels, c'est simple, ils ont la bouche ouverte. Amira, il parle beaucoup. Yossi, s'il parle de soi, probablement il mente. Widad, quand il dit que tout va bien et tout est sous contrôle. Daniel Ferrari, qui nous dit par rapport à son comportement, sa posture, son regard, la langue du corps, oui, on appelle ça le langage corporel. Meiso, il ne regarde pas directement dans les yeux. Victoria qui nous dit à première vue, il n'est pas reconnu, mais quand ils ne respectent pas ce qu'ils disent, ils sont déjà connus. Daria, on peut suivre votre intuition, la langue du corps, mais de nos jours, tous les politiciens ont des mentors qui leur apprennent comment se comporter et gesticuler, c'est vrai. Fatima qui dit quand il parle avec beaucoup de drame. Ash Watson, je pense que le politicien qui fait beaucoup de promesses, c'est tout le temps faux. Amanda, damn, I wish I could understand. Sorry, Amanda, because I'm doing that only in French. The idea is to try to boost the French thing. Alors, Ice Cubes, dans les yeux, quand quelqu'un ment, il ne regarde pas directement et le visage devient rouge. Très bien. Alors, il y a des personnes qui avaient trouvé la bonne réponse. Alors, attendez, Adrian B. qui dit les politiciens qui mentent utilisent beaucoup de mots compliqués pour être autour du sujet. Ouais, faites attention, Adrian B. Utilise au pluriel ENT. Alors, vous aviez trouvé plus ou moins l'idée, c'est qu'effectivement, comment reconnaître un politicien ou une politicienne qui ment? Eh bien, il a la bouche ouverte ou ses lèvres bougent. Donc ça, c'était la première blague. Et la deuxième, regardez. Alors, deux militaires discutent. Pourquoi tu t'es engagé dans l'armée? La première personne dit, je suis célibataire et j'aime la guerre. Et toi? Et la deuxième personne dit, je suis marié et imaginez la suite. Alors, Julia qui dit « Je n'aime pas la guerre ». Amira qui dit « Je n'aime pas ma femme ». Ah, c'est brutal, hein? C'est brutal, vos premières réponses. Ice Cube, « J'aime la guerre ». Ah, donc ce serait la même chose que l'autre, alors. Meiso, « Je veux rester loin de ma femme ». Julia, « J'ai perdu la bataille ». Oui, Dad, « Je déteste ma femme ». Daria, je protège ma famille, ça peut être une raison de s'engager dans l'armée. Oh, vous êtes trop gentil, Daria. Daniel, j'aime laisser la paix à ma famille. Ça, c'est pas mal aussi. Ritem, je dois donner mon temps à ma famille. Ash Watson, je pense que c'est important pour mon pays. Oh, Ash Watson aussi, vous êtes très sérieuse et très raisonnable. Victoria Jacques, j'ai des enfants. Une bonne raison pour partir. Non, non, non. Barty, je voudrais échapper à ma femme. Yossi, je prends un congé. Chaton, j'aime la paix dans le monde. Sophia qui nous dit, j'aime la guerre pour maintenir la paix. Adrienne B, je veux échapper à la vie domestique.
C'est possible. MNM19, je manque ma famille. Alors attendez une seconde parce que là je suis obligé de cliquer. I just called, a écrit quelque chose. Alors attendez, je suis perdu. Victoria Possé, je voulais quitter ma maison. C'est possible. Johnny, je veux mourir pour être loin de ma femme. C'est terrible, Johnny. B. Kurt, j'aime mon pays et je suis ici. Joseph, je veux protéger ma famille. Faites attention, c'est féminin. I just called. Je veux me suicider pour me débarrasser de ma femme. Mais c'est horrible! I just called. C'est vendredi. Soyons optimistes. Indrani, je voudrais sauver mon pays. Victoria Jacques qui nous dit j'ai des enfants. Oui, j'avais compris. J'avais compris. Sapna nous rejoint. Bonjour Sapna. Regardez en fait. Alors cette blague, c'est deux militaires discutent. Pourquoi tu t'es engagé dans l'armée ? Le premier dit « Je suis célibataire et j'aime la guerre. » Et l'autre lui dit « Je suis marié et je voulais avoir la paix. » Allez, et comme chaque jour, nous découvrons une petite douceur, parce que la vie doit être douce parfois. Et regardez, la douceur, c'est la Charlotte. Alors, je ne sais pas si vous aimez la Charlotte, je ne sais pas si vous la connaissez. Nous allons la découvrir ensemble. On peut en manger assez facilement, en tout cas en France. Regardons, comme d'habitude, je vais vous lire trois choses sur la Charlotte et vous allez écrire les mots qui manquent. Attention, attention. La Charlotte est un type de dessert moulé de forme cylindrique, 10 cm de hauteur. La Charlotte est un type de dessert moulé de forme cylindrique, 10 cm de hauteur. Écrivez les mots qui manquent. Alors, nous avions trois choses ici. La première chose, c'était dessert. N'oubliez pas que dessert, c'est avec deux S et donc pas d'accent. Attention, Meiso, pas d'accent sur dessert puisque vous avez déjà les deux S qui vous donnent la prononciation ouverte du E. Ensuite, c'était forme. Bon, ben ça, j'imagine qu'il n'y a pas de problème. Julia, attention, forme avec un E à la fin. Je regarde les autres. Sophia X aussi, forme avec un E à la fin, s'il vous plaît. Et puis, la dernière chose, c'était la hauteur, hein, puisqu'on parle de la hauteur de ce gâteau, parce qu'il est assez haut, hein, si vous regardez la photo. Et donc, hauteur, on écrit ça H-A-U-T-E-U-R. D'accord ? Sophia X, phonétiquement, c'était bien écrit, mais regardez comment on l'écrit. Hein. H-A-U-T-E-U-R. Allez, nous passons à la deuxième chose concernant la Charlotte. Elle est formée d'une croûte faite de biscuits à la cuillère. Le centre est garni soit de fruits, soit d'une crème. Elle est formée d'une croûte faite de biscuits à la cuillère. Le centre est garni soit de fruits, soit de crème. Écrivez les mots qui manquent.
Alors là, il faut faire attention, puisqu'effectivement, on a formé, donc c'est le participe passé, mais bien sûr, vous devez marquer le féminin parce que vous voyez que le sujet, c'est elle. Elle est formée. Et vous allez le mettre au féminin, E accent aigu, E. Attention, I just called, ce n'est pas l'infinitif. Donc c'est vraiment la forme féminine ici. Ludmi, attention, c'est le féminin. Je regarde les autres. Oui, Kadam, faites attention, c'était formé avec un accent. Ensuite, on avait biscuit. Donc ici, biscuit doit être au pluriel, hein, parce qu'il y en a plusieurs, hein, comme vous regardez, enfin comme vous voyez sur la photo, on utilise plusieurs biscuits, donc on va mettre le S pour le pluriel. Et puis fruits, même chose, avec un S, parce qu'on imagine qu'il y a plus d'un seul fruit, voilà. Allez, la troisième chose pour finir avec la Charlotte. À l'origine, la Charlotte aux fruits, pomme, poire ou pêche, était servie chaude avec le thé chez les Anglais. À l'origine, la Charlotte aux fruits, pomme, poire ou pêche, était servie chaude avec le thé chez les Anglais. Alors, je vois vos réponses qui commencent à arriver. L'origine, bah écoutez, ça, normalement, ça n'est pas vraiment problématique. Fatima, attention, c'est avec un E à la fin, origine. La deuxième chose, par contre, faites bien attention, c'est toujours la même chose, puisque là, c'est des formes passives. Hein. On est toujours dans le passif, c'est-à-dire « était servi », c'est le passif à l'imparfait. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on utilise « être ». Et comme on utilise « être »,« servi », nous allons marquer le féminin si c'est nécessaire. Et ici, le sujet, c'est « la Charlotte ».« La Charlotte était servie », vous devez absolument marquer le féminin à la fin de votre participe passé. « Servi », « i ». E à la fin. Et puis, la dernière chose, c'est les Anglais. Souvenez-vous que quand on parle des personnes, on va mettre une lettre majuscule, anglais avec une majuscule. Si c'est un adjectif, c'est avec une minuscule. Mais ici, c'est clairement les personnes, puisqu'on utilise l'article « les Anglais », donc le « a » doit être majuscule. Voilà, relisons ensemble les trois choses. Et donc là, j'espère, bien sûr, que vous allez lire avec moi. Première chose, la Charlotte est un type de dessert moulé de forme cylindrique, 10 cm de hauteur. Deuxième chose, elle est formée d'une croûte faite de biscuits à la cuillère. Le centre est garni soit de fruits, soit d'une crème. Troisième chose, à l'origine, la Charlotte aux fruits, pommes, poires ou pêches était servie chaude avec le thé chez les Anglais.
Alors, de temps en temps, nous faisons ensemble le saviez-vous. Et le saviez-vous, regardez, c'est l'occasion de découvrir, eh bien, une personne. Regardez cet homme avec ses belles lunettes. Il est réalisateur. À votre avis, quel type de film réalise-t-il? Alors, imaginez quel type de film il pourrait réaliser cet homme. Alors, c'est MNM19 qui commence directement en nous disant des films de science-fiction. Amira qui nous dit des films romantiques. Julia qui dit des films d'horreur. Est-ce qu'il a une tête spéciale? Daria, il est peut-être le réalisateur de films mystérieux. Ensuite, Kadam nous dit « Je n'ai aucune idée ». Beaker, des films d'horreur. Sophia X, à mon avis, il produit des films dramatiques. Ludi, peut-être qu'il réalise des films fantastiques. Ravija, qui pense qu'il réalise des documentaires français. Ice Cubes qui dit « Il réalise des documentaires ou de la science-fiction ». Alors, Origami qui dit « Je ne sais pas ». Oh, mais personne ne sait, Origami. C'est pas un problème. L'idée, c'est de participer. C'est juste d'écrire une phrase. Adrien B qui dit « Il a l'air d'une personne qui est dans les films criminels, vous voulez dire ?» Meisso, il réalise des films d'action et des films de science-fiction. Peut-être avec des explosions partout. Yossi qui pense qu'il réalise des documentaires de voyage. I Just Called qui pense que c'est un homme qui fait des films romantiques. Nels pense qu'il réalise des comédies plutôt. Morteza a le sentiment qu'il réalise des films amoraux et sociaux. Mido, des films policiers, Alama, des thrillers. Darren Tsang, il réalise des films romantiques. Ash Watson, qui pense qu'il réalise des films thrillers aussi. Victoria, qui pense qu'il réalise des films de police et d'investigation. Et Chaton, qui pense que c'est un gentilhomme décent, qui aime sa femme et se soucie de sa famille. Alors, regardons. Et, en fait... cet homme s'appelle Michel Hazanavicius. Et en hommage au cinéma, il a décidé, ou il décide de réaliser un film en noir et blanc et muet. Et ce film, qui a été créé en 2011, s'appelle The Artist. Alors je ne sais pas si vous connaissez ce film, si vous avez eu l'occasion de voir ce film, mais c'était un film assez intéressant et le concept de faire un film en noir et blanc et muet en 2011 était bon, assez intéressant et artistiquement vraiment vraiment intéressant. Il a engagé une actrice qui s'appelle Bérénice Bejo, que vous connaissez peut-être, pour le rôle, en tout cas le rôle principal, c'était Jean Dujardin, un acteur français assez connu aussi. Et il a gagné plus de 100 récompenses à travers le monde avec son film The Artist. Et notamment, donc, 3 Golden Globes, 7 BAFTA, 6 Césars, 1 Goya et 5 Oscars. Et le côté un petit peu amusant, c'est qu'il a obtenu l'Oscar du meilleur film et du meilleur acteur pour Jean Dujardin en proposant un film qui n'a pas été produit aux États-Unis.
Alors, c'est moins romantique maintenant puisque c'est de la conjugaison. Et comme vous le savez, on doit faire de la conjugaison parce que c'est nécessaire. Et tous les jours, nous découvrons un verbe. Aujourd'hui, nous allons découvrir ensemble le verbe prendre. Comme d'habitude, nous allons regarder les trois modes, indicatif, conditionnel et subjonctif. Et nous allons voir tous les temps qui sont les temps utilisés par les Français et les temps que, normalement, vous devriez maîtriser. Nous commençons avec le présent de l'indicatif. S'il vous plaît, donnez-moi la première personne. Alors le verbe prendre est un verbe du troisième groupe, donc il est un petit peu olé olé quand on veut le conjuguer au présent, mais en tout cas la forme c'est je prends DS. Phonétiquement, je prends, tu prends, il, elle prend, c'est la même chose, je, tu, même orthographe, il, elle, pas de S. D'accord ? On continue avec le futur simple de l'indicatif, s'il vous plaît. Alors, je vois que vous commencez à répondre. Alors, je regarde. Attention, Sapna, ça n'est pas je pourrais, c'est le verbe pouvoir. Ici, nous regardons le verbe prendre. Et donc, c'est je prendrai. Et effectivement, c'est AI. Et là, c'est très bien. Donc, pas de S parce que c'est le futur. C'est le futur simple. Donc, c'est juste AI. Et là, tout est parfait. Merci beaucoup. Le passé composé de l'indicatif, s'il vous plaît. Alors, je regarde avec émerveillement vos réponses. Oh, c'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Et là, j'ai l'impression que nous progressons ensemble. C'est formidable. Là, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Nous sommes d'accord que c'est un temps composé. Prendre utilise avoir, qu'on met au présent. J'ai. Et ensuite, on met le participe passé. Le participe passé, c'est pris. P-R-I-S. Attention, Irène, juste un S. Vous êtes trop généreuse. Imparfait de l'indicatif, s'il vous plaît.
Alors, l'imparfait, je vois que normalement, alors apparemment tout va bien. Julia qui a été un petit peu généreuse avec les N, juste un N. Ice Cubes, pas de D. I just called, même chose, juste un N et AIS. Je regarde les autres. Faites attention, Sophia X, c'est je prenais, hein, comme vous voyez à votre écran. Les autres, Victoria Posse ne savait pas. Eh bien, c'est pas grave, Victoria, parce que maintenant, vous savez. Regardez votre écran, c'est je prenais AIS. D'accord? Donc, je prenais, tu prenais, il, elle prenait, nous prenions, vous preniez, il, elle prenait. D'accord? Donc, ici, terminaison, donc AIS. Regardons la suite. Le plus que parfait, s'il vous plaît. Et c'est toujours pour je. Merci. Alors, pour la plupart, c'est à peu près clair. Ludmi ne sait pas, mais c'est pas grave. Regardez Ludmi. Le plus que parfait, c'est un temps composé. Donc, on va utiliser avoir pour prendre. Et avoir, on va le mettre à l'imparfait. J'avais. Et ensuite, on va utiliser le participe passé. Pris. J'avais pris. Là, quand je regarde vos réponses, je me dis que c'est vraiment formidable. Donc, vous pouvez être fier de vous. Attention, testons les limites futures antérieures. Alors, vous commencez à me répondre. Donc là, nous sommes d'accord que le futur antérieur est également un temps composé. Donc, nous savons maintenant qu'on utilise systématiquement avoir pour le verbe prendre. Donc, ici, avoir doit être au futur simple. J'aurai, et ensuite votre participe passé pris. J'aurais pris. Faites attention, pas de S pour j'aurais. D'accord? C'était le futur, ce n'est pas le conditionnel, hein. Le futur, c'est j'aurais AI. Ensuite, et ça n'est pas le dernier, celui qui fait pleurer tout le monde, celui que tout le monde déteste, et pourtant, il s'appelle passé. Simple. Allez-y, s'il vous plaît.
Alors, Ice Cube qui boycotte systématiquement le passé simple maintenant, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme on a dit, hein, le passé simple, c'est toujours des formes un petit peu spéciales d'une certaine façon. Là, comme j'ai dit, hein, ce qui est important, c'est de pouvoir associer la forme je prie à au verbe prendre. Donc, quand vous allez voir cette forme dans un texte, logiquement, vous pouvez l'associer. Bien sûr, vous n'allez pas l'utiliser. On n'utilise pas le passé simple et on ne vous demande pas d'utiliser le passé simple. Mais on vous demandera de pouvoir le reconnaître. J'imagine que quand vous voyez la forme je prie, vous pouvez quand même associer ça au passé simple. Là déjà, ça ressemble au participe passé quand même, hein. Donc voilà, c'était le passé simple et on sait que il n'est pas très très populaire. S'il vous plaît, le conditionnel présent, toujours le même verbe prendre et puis toujours la même personne, je, s'il vous plaît. Alors Victoria, oui, cette première partie, c'est comme le participe passé, mais après ça change. Donc, et c'est vraiment pas systématique pour le passé simple. Là, c'est juste un accident. Alors, vos réponses sont déjà ou arrivent. Donc là, pour le conditionnel présent. Donc c'est effectivement le même radical que le futur, mais la terminaison c'est AIS. Je prendrai AIS. Bah là apparemment tout va bien, donc il n'y a pas de problème. On continue avec le conditionnel passé, s'il vous plaît. Donc là aussi, hein, le conditionnel passé est un temps composé, donc on va utiliser avoir conjugué au conditionnel présent, j'aurai, AIS, plus le participe passé qui est pris. J'aurai pris. Et là, jusqu'à maintenant, il n'y a aucune erreur. Attention, origami, c'était pris avec un S. Regardons maintenant le subjonctif présent. Voilà, donc ça commence à arriver. Nous sommes d'accord. Alors traditionnellement, comme je le dis à chaque fois, en France, quand on apprend le subjonctif, on met systématiquement que, hein, donc que je prenne. Nous sommes d'accord que la forme est sans s à la fin, puisque la terminaison pour je, c'est e. Que je prenne avec un e, et là, c'est très, très bien. Et bien sûr, nous finirons avec le subjonctif passé. Et on y va.
Alors, le subjonctif passé, ben, c'est le dernier temps composé que nous avons pour aujourd'hui. C'est toujours la même chose. Donc, avoir. Nous allons mettre avoir au subjonctif présent. Donc, j'ai, a, i, e. Et puis, vous allez mettre le participe passé après. Que j'ai pris. Eh bien, voilà. Félicitations. Je ne sais pas si vous avez remarqué, en tout cas moi je remarque, parce que moi je regarde ce que vous m'écrivez, mais il y a de moins en moins d'erreurs. C'est assez incroyable et c'est vraiment, vraiment formidable. Donc félicitations à vous, et en plus c'est vendredi. Oh! Allez, comme chaque jour, c'est la photo du jour. Et regardez cette belle photo, s'il vous plaît, une petite phrase pour me décrire ce que vous voyez. Alors, je suis en train de regarder, c'est toujours assez amusant. Alama qui nous dit la plage vue du haut. Hein, ce serait l'expression vue du haut. Ensuite, Tenzin qui nous dit c'est magnifique. Alors, faites attention, une plage avec du sable. Amira qui nous dit je vois la mer et le sable masculin. Yossi qui nous dit je n'ai aucune idée. Ce que représente la photo. Mais c'est oui, c'est le sable. Il y a aussi c'est le sable et la mer avec les vagues. Mais vue du ciel, vue du ciel. Ice Cubes, la vague d'une différente perspective. Ben oui. C'est ça qui est assez amusant, je trouve. Bonjour. Vishaka nous rejoint. Nels qui nous dit c'est une photo belle qui dépique le rapport entre la mer et la plage. Oui, qui dépeint, on pourrait dire, hein, dépeindre. Sophia X, je vois des glaces. Des glaces? Ah, c'est intéressant. Sundar, on voit les vagues sur la plage. Mido, la contradiction entre la terre et la mer. Brun et bleu. Waouh, ça c'est très chouette. Origami, c'est une plage féminin. Oui, c'est vrai. Morteza, deux éléments de la nature dont nous avons besoin tous les deux pour la vie. Oui. Yulia, l'eau et les sables ou le sable avec une touche de fumée. Ouidad, c'est une plage, l'eau s'étale sur le sable. Ravija, c'est une photo un peu bizarre. Il y a une chose qui ressemble à de l'eau. Oui, ben oui, c'est la mer. Daria, waouh, quelle photo! C'est une rencontre de l'océan avec le
masculin sable, ils sont toujours proches les uns des autres, mais pas ensemble. Oui, ça me rappelle cette. Il y a une chanson, Le soleil a rendez-vous avec la lune. C'est une chanson de Charles Trenet. Ash Watson, la belle mère qui vient de la couleur bleue grâce au ciel. Oui, Fatima, je vois l'harmonie de la mer avec le sable, on pourrait dire plutôt. Darren, il y a une plage sablonneuse, d'accord. Meiso qui nous dit, comme la vie, la vague vient mouiller la sécheresse. Ouais, sécheresse avec un E à la fin. C'était très joli comme phrase. Bickert, je vois les vagues. Peut-être qu'il pourrait y avoir une cascade. Peut-être. Chaton, plage, vague, bleue et blanche de la mer. Chaton qui, qui parle en code. On peut faire des phrases, chaton. Miaou, miaou. Alors, Barty qui dit, je vois la mer avec une belle plage dans le désert. D'accord. Save the best, c'est les vagues de l'océan. Mettez au pluriel, si vous avez un S à vague, les vagues. Suzanne, bonjour Suzanne, participez au cours. Origami qui dit la plage ou le plage, c'est féminin. La plage. Maria Angelica nous rejoint aussi. Bonjour, participez à l'exercice suivant. Allez, c'est le film du jour et aujourd'hui, c'est un documentaire encore et ça s'appelle « Les joueuses, pas là pour danser ». C'est un documentaire qui est sorti, je crois, cette semaine. Alors, regardons maintenant. Comme d'habitude, je vais lire et vous allez trouver les mots qui manquent et vous allez écrire les mots qui manquent. On y va. L'équipe féminine de l'Olympique lyonnais s'est imposée au fil des années comme une des meilleures équipes de football au monde. L'équipe féminine de l'Olympique lyonnais s'est imposée au fil des années comme une des meilleures équipes de football au monde. Écrivez les mots qui manquent. Alors, Ash Watson avait une question, et la réponse, Ash Watson, à votre question, c'est qu'en français, il n'y a pas de préposition. Hein. La mer devient bleue, je deviens rouge, etc., etc. Donc, pas de préposition. Regardons ici, nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, bien sûr, c'était le féminin. Équipe, c'est féminin, donc l'adjectif doit être au féminin, féminine. Attention à Ice Cubes, il faut mettre le féminin ici. La deuxième chose, c'est imposer. Et là, ici, c'est la même chose, puisque le sujet, c'est l'équipe. Alors, nous voyons que l'équipe, ben, c'est un mot féminin. Donc, féminine, l'adjectif, il est au féminin. Et comme ici, on a une structure de passif, c'est imposé, même chose, on marque le féminin à la fin de notre imposé. D'accord ? Et puis, une des meilleures, même chose, ici, meilleure, je veux le féminin pluriel, parce que c'est équipe. Et tout ça, c'est du féminin. Donc, féminine au féminin, imposé au féminin, et meilleur au féminin pluriel. Donc,
R-E-S. Voilà. Attention, la deuxième chose. D'entraînement en compétition, de doute en victoire, ce film plonge au cœur du quotidien de ces joueuses d'exception. D'entraînement en compétition, de doute en victoire, ce film plonge au cœur du quotidien de ces joueuses d'exception. Alors, vous allez me détester parce qu'effectivement, regardez ici, tout à l'heure, je vous ai demandé le féminin et là, je vous demande le pluriel. Regardez, le début de votre phrase et vous voyez que d'entraînement, ben, c'est au pluriel. Et donc, on suppose que logiquement, d'entraînement en compétition sera également au pluriel pour rester dans la logique. Même chose de doute. Pluriel en victoire, pluriel pour rester dans la logique, pour avoir une cohérence dans votre texte. Ce film plonge au cœur du quotidien. Le quotidien, c'était bien. Vous l'avez bien écrit, mais il semblerait que vous soyez passé à côté du pluriel de compétition et de victoire. Certaines personnes l'ont mis, mais la majorité, vous êtes passé un petit peu à côté. Regardons la troisième et dernière chose. Une invitation à porter un nouveau regard sur la place faite aux femmes dans le sport. Une invitation à porter un nouveau regard sur la place faite aux femmes dans le sport. Alors ici, nous avions trois choses. La première chose, c'était une invitation. Donc là, nous sommes d'accord que c'est automatiquement le singulier ION. Ça, c'est clair. L'autre chose, ben, c'est un substantif et c'est le regard. Alors faites attention, c'est pas le verbe ici, c'est vraiment le nom, hein, le substantif. Regard, REGARD. Et ensuite, fête. J'avais bien prononcé le E. Ice Cubes ne l'a pas entendu. Irène non plus. Qui d'autre? Victoria Posse ne l'a pas entendu. Victoria Jacques ne l'a pas entendu. Donc ici, c'était en fait fait, mais la forme féminine. C'est-à-dire, il y a une place qui est faite aux femmes. Allez, regardons ensemble ces trois choses et je vous invite à lire avec moi. Première chose,
l'équipe féminine de l'Olympique lyonnais s'est imposée au fil des années comme une des meilleures équipes de football au monde. Deuxième chose, d'entraînement en compétition, de doute en victoire, ce film plonge au cœur du quotidien de ces joueuses d'exception. Troisième chose, une invitation à porter un nouveau regard sur la place faite aux femmes dans le sport. Alors, comme chaque jour, nous essayons de partager nos impressions, nos sentiments, nos expériences concernant... Alors là, ça fait quelque temps que nous parlons de chaîne YouTube, et on va continuer encore un petit peu, puisque ça, c'est une chaîne qui a l'air d'être assez populaire, qui s'appelle FrenchPod 101 ou 101. Est-ce que vous l'avez utilisée? Est-ce que vous la connaissez? Qu'est-ce que vous en pensez? Ou qu'est-ce que vous aimez dans cette chaîne? Écrivez-moi une petite phrase, s'il vous plaît. Alors, Tenzin qui nous dit en premier, je n'ai pas utilisé FrenchPod, désolé, mais pas de problème. L'idée, c'est que si vous ne connaissez pas, il faut connaître, hein, il faut essayer, il faut voir. Victoria Possé qui dit, je ne connais pas non plus. Julia qui dit, c'est quoi? C'est comme si vous allez mourir et proposer d'autres. C'est pas juste. Non! Je vous l'ai dit énormément de fois, il faut utiliser toutes les possibilités que vous avez pour apprendre les choses. Je vous ai proposé de découvrir TV5 Monde Plus. Je vous propose d'utiliser d'autres chaînes de collègues parce que je pense que c'est bien. Je pense que c'est vraiment toujours très bien de regarder et de voir ce que les autres font aussi. Et surtout, vous avez cette chance et cette possibilité maintenant. Et franchement, ce serait un petit peu ridicule de vous dire « Restez avec moi !» etc. Non ! Regardez autre part, et c'est ça qui est bien. Bickert qui nous dit « Je ne l'ai pas utilisé. » Sophia X qui nous dit « Je ne connais pas cette chaîne, je vais l'essayer bientôt. » Mais il faut essayer, puis vous dites si ça vous plaît. Ensuite, Joseph qui dit « C'est quoi ?» Ben, c'est une chaîne, Joseph. C'est une chaîne où vous pouvez apprendre le français. Donc, il faut tester, il faut essayer. Sundar, je ne connais pas, mais je n'utilise pas.
Ravija, je n'ai pas connu cette chaîne. Je peux peut-être la visiter. Ben oui, il faut y aller. Chaton qui dit, je regarde de temps en temps, ce n'est pas un mauvais site. Ben voilà. Yossi, je ne connais pas ce site, mais je la regarderai plus tard. Très bien. Ice Cube, c'est la même chose. Je ne connais pas, mais je vais regarder. Sapna qui nous dit, je ne connais pas cette chaîne, mais j'aime bien le nom. Ash Watson, j'ai déjà essayé d'autres sites, mais je n'ai pas beaucoup de vocabulaire pour le comprendre. Et je prends de temps en temps pour le comprendre aussi. Très bien. Johnny, aucune idée. Daria, de nos jours, il y a tellement d'options de développer, augmenter son niveau. C'est super, mais nous avons seulement 24 heures. Et c'est vrai, et il faut dormir en plus. Donc je pense que c'est bon de se concentrer sur une seule chaîne. C'est comme ma mère m'a toujours dit ça quand j'étais petit. Concentre-toi sur une seule chose. Mido qui dit je ne connais pas cette chaîne malheureusement. Marty qui dit j'ai vu les épisodes de French Pod à préparer pour le Delph A2. J'aime Lisa car elle explique très bien avec des dessins animés. Bon ben voilà, voilà, partageons l'information. Merci Marty. Chaton, parfois elle parle trop vite. Daria, ben oui, non, mais je veux vivre longtemps. Pas de problème. Et Yossi qui nous dit 101, chez nous, c'est la police. Ah, donc ça fait peur alors, Yossi, c'est ça? Allez, tremblez, tremblez, c'est la dictée du jour. Comme d'habitude, on va faire A1, A2, B1 et B2. Je crois qu'aujourd'hui, en tout cas je l'ai préparé tout à l'heure, peut-être que les phrases sont un petit peu plus longues que d'habitude, on va voir. Niveau A1, je vais lire la phrase deux fois et j'espère que vous allez l'écrire correctement. Je ne vais pas lui donner de conseils, virgule, il ne le mérite pas. Je ne vais pas lui donner de conseils, virgule, il ne le mérite pas. Écrivez la phrase, s'il vous plaît. Alors, Chaton me demande de lire plus lentement. Je vous promets, je vais lire plus lentement pour la phrase suivante. Julia, alors je regarde. Ici, je ne vais pas lui donner de conseils. Il ne le mérite pas. Attention, conseil. Ouais. Ici, conseil, hein, donc c'était le substantif. Comme c'est la forme négative, ça n'est pas un ou ça n'est pas des, mais ce sera de, hein, je ne vais pas lui donner de conseils. Attention à Ice Cube, c'était de conseils et c'était vais. Ensuite, Mary, ouais, c'était bien écrit, Mary. Fatima, je ne vais pas lui donner de conseils. Il ne le mérite pas. Victoria Posse, je ne vais pas lui donner de conseils. Oui, d'accord, j'étais trop rapide pour la deuxième partie. Excusez-moi. Donc ici, hein, j'avais envie d'utiliser d'abord dans un premier temps le futur proche. Hein, je ne vais pas, donc avec la forme négative. Le pronom complément d'objet indirect, lui. Donner de conseils. Mido demande pourquoi conseil au singulier. Ben, tout simplement parce que si vous mettez je lui donne un conseil
à la forme négative, c'est je ne lui donne pas de conseil. Et donc votre conseil reste toujours à la forme singulière. Ça n'est pas nécessaire de le mettre au pluriel. Si votre forme négative est une forme négative de pluriel, oui. Moi, ma forme négative ici, c'était une forme négative de singulier. Voilà, on attaque la deuxième phrase. Et c'est niveau A2, je vais la lire et je vais essayer de la lire plus tranquillement. La voiture était conduite par ce pilote d'origine brésilienne. La voiture était conduite par ce pilote d'origine brésilienne. Alors, vous commencez à m'écrire vos phrases. Donc ici, j'avais envie en fait de vous donner un passif, c'est-à-dire le passif du verbe conduire. Et puis, je voulais le mettre à l'imparfait. Et donc, était doit être à l'imparfait, le verbe être sera à l'imparfait. Donc, E-T-A-I-T, idéalement avec un accent aigu sur le E. Ensuite, conduite. Le participe passé conduit, UIT, doit être à la forme féminine puisque le sujet c'est la voiture. Et donc on l'entend, hein, conduite, t, donc il doit y avoir le T. Après ça, c'était pas très difficile, je pense. Faites attention pour brésilienne. Alors, comme vous voyez en français, on écrit avec E accent aigu, bré, zi, et puis lien, double N, d'accord, donc E, N, N, E. D'accord, donc la voiture était conduite par ce pilote d'origine brésilienne. Troisième phrase, et donc c'est le niveau B1. Alors j'ai un doute maintenant, je ne sais pas si je dois le lire deux fois ou trois fois. Je vais juste lire deux fois et on va voir. Vous me direz si c'est trop difficile. Donc deux lectures. Nous ne serions jamais allés là-bas si vous nous aviez prévenus. Nous ne serions jamais allez là-bas si vous nous aviez prévenu. Allez-y, écrivez-moi la phrase, s'il vous plaît. Yulia, ce n'est pas possible d'avoir ce pilote SE, puisqu'ici l'idée c'était d'utiliser le substantif pilote, un pilote, c'est-à-dire une personne qui pilote, d'accord. Ce ne serait pas possible de mettre un verbe ici, si c'est votre question, hein. Donc ça ne peut pas être un verbe pronominal, donc c'est un substantif, et le SE doit être CE, c'est-à-dire le démonstratif. Alors, ça arrive très 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 rapidement. Je remarque qu'il y a des personnes qui sont très inspirées. Donc ici, nous ne serions jamais allés. Je voulais utiliser ici le
conditionnel passé du verbe aller. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on utilise d'abord être au conditionnel présent. Serions. Nous ne serions. Et après, vous allez utiliser le participe passé aller avec l'accent et le pluriel parce qu'on utilise être. Nous ne serions, et on met le jamais entre les deux, jamais allés. Nous ne serions jamais allés là-bas si vous nous aviez prévenu. Effectivement, pourquoi j'ai mis un S ici? Ah, oui, j'ai mis mon S. Même moi, je me surprends. À force de travailler tout le temps sur la langue, on est un petit peu perdu. Tout simplement, ici, on doit accorder le participe passé avec le complément d'objet direct « nous ». Alors, regardez, je vais essayer de vous le mettre comme ça. Je ne sais pas si c'est possible. Pim, oh, c'est magique. Donc, comme notre pronom complément d'objet direct est juste avant « avoir », nous allons être obligés, et regardez, je vais essayer de le faire comme ça pour que ce soit beaucoup plus clair, voilà. Nous serons obligés de marquer le pluriel en fonction du pronom complément d'objet direct. Alors effectivement, c'est toujours un petit peu compliqué, et la réalité, c'est que beaucoup de Français ou de francophones ne respectent plus vraiment cette règle. Donc, c'est vous qui décidez. si vous voulez respecter la règle grammaticale, normalement, il faut marquer le S parce que votre pronom complément d'objet direct est avant avoir. Si vous ne le faites pas, c'est pas la fin du monde. C'est pas la fin du monde. Allez, on attaque avec B2 maintenant. Alors attendez, parce que maintenant que j'ai commencé à toucher, ça va bien sûr être un petit peu problématique, mais je pense que ça va aller. Je vais lire la phrase deux fois. Sache qu'il est préférable que tu ne viennes pas nous voir ce soir. Sache qu'il est préférable que tu ne viennes pas nous voir ce soir. Allez-y. Alors là, effectivement, j'ai essayé de relever le niveau. On va voir. Pour l'instant, ça a l'air bien. Vous m'avez écrit des choses qui sont vraiment bien. Donc, l'idée, c'était de démarrer finalement avec un impératif. Sache. Et donc, l'impératif, oui, on est d'accord que c'est comme ça. Et puis après, il est préférable que tu ne viennes. Donc, vienne ici, en fait, c'est... bien sûr, le subjonctif. C'est le subjonctif présent. Souvenez-vous, subjonctif présent pour tu, ça va être avec le S à la fin. D'accord ? Tu viennes, V-I-E-N-N-E-S. D'accord ? Donc ici, c'est juste la forme négative. Tu ne viennes pas.
Celle-là, elle est un petit peu difficile. Sache qu'il est préférable que, et donc il est préférable que va appeler un subjonctif. Tu ne viennes pas nous voir ce soir. Alors, comme vous voyez, hein, à ce niveau-là, ou même avant, j'essaye systématiquement de travailler sur les structures avec des pronoms et avec la négation, parce que c'est souvent ça qui est problématique pour les gens. Donc j'en mettrai systématiquement, et bien sûr pour le niveau B2, c'est toujours du subjonctif ou du passé simple, c'est pas nouveau. Allez, les proverbes du jour. Pourquoi il y a un S à jour à chaque fois? C'est incroyable. Je suis un homme, je ne suis pas une machine. Voilà, c'est ça finalement. Les proverbes du jour. Et nous allons commencer avec le premier. Regardez ça, c'est assez intéressant. Les hommes sont de grands enfants. Les hommes sont de grands enfants. Alors là, la question, c'est à vous de déterminer si vous considérez que les hommes, il y a une dimension de genre, c'est-à-dire qu'on parle des hommes, ou est-ce qu'on parle du genre humain? Souvenez-vous, en France, hein, en français, on peut dire les hommes pour parler des hommes et des femmes. Donc c'est à vous de décider, mais s'il vous plaît, écrivez-moi une petite phrase pour me dire ce que vous pensez de ce proverbe. Alors, on sent que les réactions sont assez rapides, puisque Sophia X nous dit c'est vrai, c'est vraiment la vérité. Ah, si on avait un doute, là c'est clair, hein. Ice Cube qui nous dit que, à mon avis, c'est très vrai. D'accord. Ash Watson nous dit les enfants sont très intelligents. Ash Watson, intelligent avec un S, s'il vous plaît. Alors apparemment, les autres personnes sont en train de méditer. Je crois qu'il y a 60 personnes qui regardent. Donc idéalement, vous pouvez participer, hein. Alors Daria qui dit, je sens que je suis encore une enfant. Attendez une seconde, je dois cliquer sur Ravija, je ne sais pas pourquoi c'était bloqué. Ça me rend heureuse, mais bien sûr qu'il y a beaucoup de moments quand on devrait se comporter comme une adulte. En fait, c'est quelque chose qui vous donne un plaisir. Ça, c'est intéressant. Donc, se comporter comme une adulte, ça fait plaisir. Ben, très bien. Ravija, ce sera incroyable si les hommes sont de grands enfants avec l'innocence. Ravija qui pense que c'est pas possible. Des grands enfants, peut-être, mais pas d'innocence. Yulia, enfant ou grand, toujours la même bêtise. Heureusement, de niveaux différents. D'accord, bah écoutez, attendez, j'appuie sur Fatima qui était bloquée. Bickert, oui, ces paroles est vraiment vraies. Donc ce proverbe est vraiment vrai parce que les hommes ont l'âge quand ils sont comme des enfants. Ah, donc vous pensez que les hommes se comportent comme des enfants même s'ils sont âgés. Ice Cubes, on peut dire aussi que les hommes sont comme de grands enfants de leur mère. Ah là, on sent l'expérience. Mido. Oui, souvent les hommes oublient
qu'ils sont grands et font des choses qu'ils aiment sans réfléchir et sans voir les résultats. Oui, Dad, oui, c'est vrai, on est tous de grands enfants, on fait des erreurs. Ash Watson qui dit, ok. une approche. D'accord. Fatima, oui, je suis d'accord que les hommes sont de grands enfants car ils ont besoin de prendre soin d'eux. D'accord. EUX. Mido qui dit, oui, c'est vrai et c'est naturel. Sundar nous dit, je souhaite encore être un enfant. Ah ben écoutez, très bien. Morteza, cette phrase veut dire qu'on est une petite enfant pendant toute sa vie, mais dans un niveau différent dans chaque période de notre vie. Avec l'icône, elle se pose des questions, Morteza, c'est pas très très clair. Attendez, Yossi, je vous réactive. Amira qui nous dit, oui, je pense ça. À l'intérieur de chaque homme, il y a un petit enfant. I Just Called nous dit, je ne suis pas d'accord parce que les hommes sont des hommes et les enfants sont des enfants. Voilà. Sapna nous dit, oui, c'est la vérité, les hommes sont toujours des enfants, mais à cause de beaucoup de travail quotidien, il n'y a pas le temps de trouver l'enfant dans leur cœur. Attention, cœur, vous écrivez C-O-E-U-R-S. Beacle, parce que les hommes n'ont pas grandi malheureusement. À votre avis, Bicotte, les hommes ne grandissent jamais, ok? Chaton, le garçon d'une mère typique vit chez ses parents ou sa mère, a tout servi à la maison, cuisiné, nettoyé, lavé, maman, hôtel, je le tout gratuitement. Vraiment? Ah, c'était pas comme ça chez moi. L'hôtel, je n'ai pas connu. Yossi, parfois les hommes vont retourner à l'âge des enfants. D'accord, Meiso, c'est vrai. Maintenant, on est un enfant. Demain, on aura grandi et on devient le futur de notre pays. Alors, le futur de notre pays dépend de nous. Très bien. Sapna, ils n'ont pas le temps. D'accord. Ritem, quelquefois il y a des enfants qui aident les hommes à apprendre les nouvelles choses. Ben oui. Et Indrani nous dit, je ne pense pas que les femmes sont de grands enfants, on pourrait dire. Très bien. Alors, nous continuons avec le proverbe suivant. Vous aimez bien les proverbes. Ça, c'est un proverbe très très classique en français et c'est pas de nouvelles. Bonne nouvelle, alors je ne sais pas si c'est la même chose dans vos langues ou dans vos cultures. Qu'est-ce que vous pensez de ce proverbe? C'est-à-dire pas de nouvelles de quelqu'un, hein? Bonne nouvelle. Si vous ne recevez pas de nouvelles, ben finalement c'est probablement mieux que si vous recevez des mauvaises nouvelles. Je ne sais pas, qu'en pensez-vous? Dites-moi et nous allons lire. Alors, c'est Ash Watson qui dit « c'est bizarre ». D'accord, très bien. Donc, ça veut dire que vous ne connaissez pas ou c'est pas la même chose. Julia qui dit « rien à ajouter ». Et oui, on a la même chose dans ma langue. Eh bien, voilà. Fatima qui dit « oh oui, moi, je suis d'accord ». D'accord. Mido, ça veut dire qu'il n'y a pas de mauvaise nouvelle. Oui, ben, s'il n'y a pas de nouvelle, il n'y a pas de mauvaise nouvelle, d'une certaine façon. Alors, et Widad ajoute, pas de nouvelles est mieux que de mauvaises nouvelles. Oui, c'est ça le concept. Hein. Ensuite, Sophia X nous dit, il me semble que les gens sont pessimistes. Non, mais c'est un proverbe, Sophia X. MNM19, oui, je suis d'accord, il faut éviter les gens méchants. D'accord.
Ash Watson qui dit je ne comprends pas l'expression. D'accord. Ça veut dire que si vous n'avez pas de nouvelles, c'est mieux que d'avoir de mauvaises nouvelles. Daria, ça existe en anglais et c'est vrai que quand nous recevons pas de nouvelles, on peut admettre que tout va bien. Ou on peut avoir un mauvais scénario dans l'esprit, ça dépend de la façon de penser. Effectivement. Save the Best nous dit oui, je suis d'accord. Yossi qui dit parfois les nouvelles pourront être mauvaises. Alors c'est mieux de ne pas avoir de nouvelles. Et c'est vrai aussi. C'est un petit peu l'idée hein, de ce proverbe finalement. Bickert, maintenant, je ne veux pas penser avec cette phrase, je ne comprends pas. Eh ben voilà, Bickert n'a pas envie de commenter. Et c'est votre droit, Bickert, c'est bien. Ice Cubes. Cette année, oui, c'est bien dit, parce que nous avons vu de mauvaises, nous avons vu trop de mauvaises nouvelles. Elles ont commencé en Australie et après en Chine. Ben écoutez, oui, c'est vrai. Ravija, oui, je suis d'accord. Personne n'aime entendre ou n'aime recevoir de mauvaises nouvelles. Bon, ben écoutez, j'ai l'impression que vous n'avez pas vraiment aimé mon deuxième proverbe. C'est un grand, grand, grand classique. En France, on l'utilise très facilement, surtout quand vous n'entendez pas de choses de la part d'un ami. En général, vous dites, oh, il ou elle n'a pas de problème, et pas de nouvelles, bonne nouvelle. Victoria nous dit, je pense que c'est vrai, quand on ne reçoit pas de nouvelles, il semble que tout est calme. I Just Called nous dit, c'est vrai, pas de nouvelles sont mieux que de mauvaises nouvelles. Morteza nous dit, oui, je suis d'accord. Tout, alors attendez, tout se calme, pas de stress, pas de nouvelles. D'accord. Allez, troisième proverbe pour aujourd'hui. Il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que finalement, il faut réfléchir suffisamment longtemps avant de dire quelque chose. C'est ça un petit peu l'idée, hein? Comme si vous attendez ou vous comptez jusqu'à 7 avant de parler, vous tournez 7 fois votre langue dans votre bouche. Qu'est-ce que vous pensez de ce proverbe? Alors, Renato Silva, qui est le premier à nous dire, il faut penser avant de dire quelques bêtises. Et c'est vrai, hein? Ash Watson nous dit oui, parce que nos mots peuvent briser notre relation ou nos relations. Ice Cube, ce qui dit, c'est un proverbe un peu bizarre d'essayer pour réfléchir. Morteza, avant de parler, il faut réfléchir à ce qu'on veut dire. Julia qui dit oui, ça aide beaucoup à penser de dire quelque chose, mais on fait ça rarement. On a le même proverbe, mais différent, pas avec une langue. Yossi, il faut penser bien avant de dire quelque chose. Chaton, réfléchir avant de dire quelque chose. Très bien. Mido. Oui, il faut réfléchir avant de parler, d'accord? Sophia X, c'est vrai, c'est une bonne pratique. Oui, Dad, oui, parfois, il faut bien réfléchir avant de parler. Amira nous dit, il faut réfléchir bien avant de parler. La parole peut faire mal aux autres. On doit choisir de bons mots. Très bien écrit, Amira.
Sundar, avant de parler, on doit penser plusieurs fois. Donc je suis d'accord avec cette phrase. Mido qui nous dit, surtout quand l'homme est nerveux. Ah, vous pensez que l'homme, si on est nerveux, hop, il faut arrêter, il ne faut pas parler. Rabija, les politiciens doivent tourner 700 fois leur langue dans leur bouche avant de parler. Ah, ça fait beaucoup 700, hein, ça fait mal à la langue. Chaton, fais attention à ce que tu dis, oui. Meiso, oui. On ne peut pas annuler les paroles qu'on avait dites. On doit donc faire attention avant de parler. Ça, c'est vrai, mais ils sont très bien. Daria, ça ressemble à un autre proverbe. Il faut réfléchir avant d'agir. Ça dépend d'une situation et d'une personne. Si vous deviez être politiquement correct ou non, si c'est votre ami, on peut être soi-même. Oui, ça dépend du contexte et des personnes. Bickert, oui, oui, oui. Toujours nous devons faire attention quand nous parlons. Avant, oui, donc on doit penser avant de parler. Très bien. Sophia X, est-ce qu'en français, 7 signifie nombreux? Sophia X, je ne comprends pas votre question. Si vous pouvez, posez-moi la question différemment. 7 signifie nombreux, je ne sais pas. Victoria, c'est le meilleur conseil parce qu'en colère, on dit des choses que l'on regrette plus tard. Ensuite, Sapna qui dit parler après penser. Oui, penser à l'infinitif, ce serait magnifique. Et ça, c'est très bien comme expression. Parler après penser. I Just Call nous dit c'est vrai parce que certaines personnes n'oublient jamais ce que nous disons. Et comme chaque jour, nous découvrons un peintre et une peinture française ou francophone. Aujourd'hui, c'est Georges Seurat qui nous propose une peinture que j'ai trouvée vraiment sympathique. Ça s'appelle « Un dimanche après-midi à l'île de la Grande Jatte ». Ça a été fait entre 1884 et 1886. Et regardez cette peinture et écrivez-moi une petite phrase pour me la commenter. Alors, c'est Yulia qui est en premier, qui nous dit « Oh, je veux y aller et ne jamais en revenir ». Mais c'est vrai que c'est très très joli comme tableau. Yossi qui nous dit « On voit beaucoup de gens qui se reposent, alors au pluriel, Yossi, E-N-T, au bord de la mer ». Sundar qui nous dit « Je vois beaucoup de personnes »
qui se détendent, hein, mettez-le au présent, au bord de la mer. Mido qui nous dit il y a beaucoup de gens sur la plage et ils se reposent en regardant la mer. On utiliserait plutôt le en regardant la mer. Daria, il y a tellement de monde sur le bord de la rivière, tous les gens s'occupent de choses diverses. C'est la peinture de la vie, vrai, sans technologie, sans stress, sans mauvaises nouvelles et sans données statistiques. C'est vrai, il y a une sorte de calme incroyable dans cette peinture. Amira, il y a beaucoup de familles au jardin et ils s'amusent. Sophia X, une journée de repos, hein, donc repos, R-E-P-O-S, dans le parc. Darren Sang, les gens s'amusent bien au parc et il fait beau et soleil. Morteza, il y a des personnes qui profitent du soleil et aussi il y a des personnes qui détestent le soleil. Ah, c'était la période où certaines personnes préféraient se protéger pour avoir la peau blanche, vous savez. Ravija, les gens se détendent le dimanche, mais je pense qu'ils sont bien habillés pour un dimanche après-midi. Bickert, un dimanche, les gens se promènent, pluriel, ENT, au parc. Je vois une rivière, le chien, le ciel, et bleu, juste au masculin. Il fait beau, tout le monde a l'air heureux. Save the best. Beaucoup de gens se promènent dans le parc public. Oui. Ash Watson, cette image nous explique des personnes qui s'amusent avec le style uniquement et chic. Ah, c'est une période passée. Chaton, il y a plein de gens qui se détendent sur la plage. Ils s'habillent si élégamment à cette époque, même lorsqu'ils étaient assis sur l'herbe. L'herbe, faites attention, L'HERBE. Oui, Dad, je vois beaucoup de familles qui se reposent au bord de la rivière. Oui, Victoria Possé, il y a beaucoup de personnes à côté du lac. Il fait chaud, tout le monde cherche l'ombre avec des parasols et des arbres. Oui, Bluebird, bonjour, vous pouvez participer, Bluebird. Sapna, un grand parc masculin autour de la mer, et les gens s'amusent royalement là. Et je pense qu'il, Q', fait chaud, car ils prennent des parapluies. Alors c'est ce qu'on appelle des parasols ou des ombrelles. Hein. Quand c'est pour parapluie, c'est contre la pluie, hein. Donc plutôt parasol, mais c'est plus grand, ou des ombrelles. Ice Cubes, il y a des gens qui prennent un peu de soleil dans un parc à côté du lac. Mais les habits des femmes sont un peu comme Kardashian des années 1800. Qu'est-ce que c'est que cette comparaison bizarre, Ice Cubes? C'est bizarre. I Just Called nous dit, il y a beaucoup de gens qui passent, attention, ENT, le week-end dans un parc, PARC, avec une rivière. Très bien. Meiso, il y a des gens qui portent, ENT, des parapluies, plutôt des ombrelles ou des parasols, mais c'est pas vraiment des parasols, c'est des ombrelles. Parce qu'il fait chaud et il y a également des gens qui prennent l'ombre de l'arbre. Oui, chaton, les gens à cette époque n'étaient pas aussi gros que les gens aujourd'hui. Tout est la faute du fast-food, j'en ai peur. Yossi, les gens sont bien habillés, on ne voit VOIT, pas de bikini à cette époque. Et comme chaque jour, nous découvrons une personne française ou francophone. Et regardez, aujourd'hui, nous allons découvrir Claudie Aigneré. Et Claudie Aigneré est une personne assez intéressante, en fait. Comme d'habitude, je vais vous lire quatre choses sur Claudie et vous allez écrire les mots qui manquent. Nous commençons avec les choses assez habituelles. Je vais lire deux fois. Claudie Aigneré est née
le 13 mai 1957 au Creusot. Claudie Aigneret est née le 13 mai 1957 au Creusot. Écrivez les mots qui manquent. Alors, regardons, nous étions à la recherche de nez. Alors, bien sûr, ça doit être au féminin. Renato, attention, marquez le féminin avec un E supplémentaire. Ravija, féminin, s'il vous plaît. Les autres, c'est bien. C'était le 13, donc je regarde, il n'y a pas de problème. Mais, et c'était 1957. I just called, attention. Julia, attention. Je regarde. Non, les autres, ça a l'air d'être à peu près correct. Oui, oui, c'est bien. D'accord. Bah, écoutez, on attaque avec la deuxième chose concernant Claudie. Et la voici. C'est une scientifique, spationaute et femme politique française. C'est une scientifique, spationaute et femme politique française. Alors, nous étions à la recherche de trois choses ici. La première chose, c'était scientifique. Alors, scientifique, masculin ou féminin, on l'écrit de la même façon, donc Q-U-E. Ensuite, c'était spationaute. Donc, vous voyez ici comment on l'écrit. Je regarde comment vous l'avez écrit. Alors, Julia, c'était un petit peu olé olé. H, vous avez H Watson, elle a... c'était pas l'espace, c'était la passion. Non, c'est... alors c'est spationaute. Spationaute, c'est quelqu'un qui va dans l'espace. Hein, donc quelqu'un qui va aller dans l'espace. Faites attention. Ouais, ça c'était difficile, spationaute, j'ai l'impression. Ensuite, regardez, c'était politique. Bon, politique, normalement, il n'y a pas de problème. Oui, la difficulté ici, c'était spationaute. Peut-être que vous pouvez noter ça dans votre carnet, si vous avez un carnet pour les nouveaux mots. Regardez la troisième chose concernant Claudie. Elle a été la première femme française et européenne à aller dans l'espace. Elle a été la première femme française et européenne à aller dans l'espace.
Alors ici, nous étions à la recherche de trois choses. La première chose, c'était le participe passé de être, hein, et donc c'est été, accent aigu, T, accent aigu. La deuxième chose, c'est bah, européenne, et là on est d'accord, il faut marquer le féminin, parce que c'est Claudie quand même, donc c'est une femme. Donc on doit mettre le féminin européenne, double N-E. D'accord. Et puis la dernière chose, c'était un substantif et c'était espace. Et donc c'est, je pense que ça, c'est pas problématique. Je regarde. Attention, Lorsi, on écrit espace. Hein. Espace. Je regarde les autres. Non, c'est bien, c'est bien. Ash Watson qui dit je pense que j'ai besoin d'un café. Ben Ash Watson, faites comme moi. À la place du café, prenez du champagne. Ça marche bien aussi. Alors regardez, pour la quatrième chose. Alors la quatrième chose, on y va et je vais vous la lire. Après 11 ans de sélection, elle a commencé le 17 août 1996 un vol de 16 jours à bord de la station orbitale russe Mir. Après 11 ans de sélection, elle a commencé le 17 août 1996 un vol de 16 jours à bord de la station orbitale russe Mir. Alors, vous l'écrivez comme vous voulez, mais nous sommes d'accord que c'est 11, O-N-Z-E, comme l'a écrit Daria, ou alors 1-1, comme les autres l'ont écrit. Non, Yossi l'a écrit aussi en lettres. Merci, Yossi. Yesero aussi, merci beaucoup. Les autres, c'est bien. Attention, Save the Best, c'était pas 10, mais c'était 11. Ensuite, c'était donc commencer, donc le participe passé, avec l'accent, si c'est possible. Et la dernière chose, c'était station. Et ça, normalement, oui, je regarde, il n'y a pas de problème. Bon, bah écoutez, voilà. Si vous voulez bien, vous allez lire avec moi ces quatre choses pour Claudie Aigneret. Première chose, Claudie Aigneret est née le 13 mai 1957 au Creusot. Deuxième chose, c'est une scientifique, spationaute et femme politique française. Troisième chose, elle a été la première femme française et européenne à aller dans l'espace. Quatrième chose, après 11 ans de sélection, elle a commencé le 17 août 1996 un vol de 16 jours à bord de la station orbitale russe Mir. Allez, comme chaque jour, nous découvrons un paysage de France. Et aujourd'hui, youpi youpi, nous partons dans une région vraiment, vraiment très sympathique. C'est le Pays Basque.
Et nous allons à Biarritz. Très très belle ville. Je vous invite à la visiter si vous n'avez pas eu l'occasion de visiter cette ville. Et si vous allez à Biarritz et que vous ne savez pas quoi faire, eh bien il y a des belles plages et la mer est un petit peu spéciale puisque vous pourrez faire ça. Une phrase, s'il vous plaît, pour me décrire la photo que vous voyez. Alors, c'est Chaton qui commence et qui nous dit directement, j'adore Biarritz. Ben, faut reconnaître que c'est difficile de ne pas aimer Biarritz. Yossi qui nous dit le jeune surfeur qui ne craint pas les grandes vagues. Oui, Julia, on a déjà cette photo. J'ai visité le Pays Basque, Bilbao, c'est juste à côté. Ben oui, mais c'est de l'autre côté. Là, c'est Biarritz. Daria, on voit un surfeur qui doit être très excité parce que le temps est absolument parfait pour faire du surf. Ben oui, avec des grandes vagues. Et en général, c'est vraiment uniquement en France, dans cette région, qu'on peut faire cette activité-là. C'est très très difficile d'en faire autre part. Sophia X, les vagues sont incroyables pour faire du surf. Ravija, il y a un jeune homme et des vagues de la mer. Il fait du surf. Ensuite, attendez, je regarde. H qui nous dit, oh là 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 là, je ne nage pas. Et regardez cet homme qui fait du surf. Je l'admire. Ah, ben, il nage pas, il fait du surf. Hein, c'est pareil. Sundar, je vois une personne qui fait du surf dans une grande vague. Sundar, il faut écrire. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est incroyable ce que vous faites. Ensuite, chaton, un homme courageux surfant. Très bien, avec un beau participe présent. Meiso, on voit un homme qui fait du surf sur l'eau. Widad, il y a des grandes vagues et un homme qui fait du surf, une très jolie photo. Ice Cubes, waouh, c'est une vague d'océan. Je vois le surfeur très petit comme une fourmi. C'est vrai, hein? C'est féminin fourmi, attention. Anna Maria, le surf, l'astuce de prendre la vague au moment précis. C'est vrai, Anna Maria. Vous avez tout compris. Ritem, l'homme fait une activité très aventureuse. Il court avec les vagues et parle avec le vent. Waouh, ça c'est super comme non, vraiment, c'est très bien écrit. Merci beaucoup. I just called, il y a un homme qui surfe sur les vagues de la mer. Très bien écrit aussi. Yesero, je vois comme la nature est grande et que les êtres humains sont plus petits. Et là, c'est très très bien écrit aussi. Merci beaucoup.
Allez, comme chaque jour, ou en tout cas on essaye, nous découvrons un livre. Et aujourd'hui, c'est un livre qui s'intitule, qui s'appelle Aya, qui a été écrit par Marie-Virginie Dru. Comme d'habitude, je vais vous lire trois éléments pour découvrir l'histoire et vous allez écrire les mots qui manquent. Nous attaquons avec la première chose. Aya, c'est une fille de 12 ans, pas encore une femme. Elle ne rêve que d'épouser son petit amoureux Ousmane. Aya, c'est une fille de 12 ans, pas encore une femme. Elle ne rêve que d'épouser son petit amoureux Ousmane. Et c'est Meso qui est en première position, qui nous écrit encore « Rêve et amoureux ». Et je dis « Bravo Meso ». Donc oui, nous étions à la recherche de trois éléments. La première chose, c'était « Encore ». Alors je regarde. Normalement, en général, on écrit bien « Encore ». Donc pas de problème. Deuxième chose, c'est le verbe « Rêver ». Donc « Rêver » à la troisième personne du singulier. « Elle rêve ». Idéalement, l'accent circonflexe sur le « e », oui, et puis « e » à la fin, pas de « s », donc là, c'était pas mal. Attention, là aussi, c'était « rêve hein, », c'est pas « rêver ». Je regarde les autres, non, c'est bien. Et puis, « amoureux », donc « petit amoureux », on écrit « e-u-x ». Et alors Sundar pose la question, est-ce que amoureux c'est singulier ou pluriel? Alors amoureux, eh bien ici c'est singulier, mais c'est aussi pluriel pour le masculin. Nous sommes d'accord, hein? Un amoureux UX, des amoureux EUX. C'est la même forme quand c'est le masculin, singulier ou pluriel. D'accord ? Et ce sera la même chose pour l'adjectif, parce que l'adjectif, c'est le même. Pour le féminin, on voit clairement la différence. Amoureuse, S-E, féminin singulier. Amoureuse, S-E-S, féminin pluriel. D'accord ? Deuxième élément. Alors, le deuxième élément, attendez une petite seconde. Voilà. Main dans la main. Ils se promènent sur les bancs de sable avant de plonger dans l'eau. Main dans la main. Ils se promènent sur les bancs de sable avant de plonger dans l'eau. Écrivez les mots qui manquent. Alors, cette fois-ci, c'est Ash Watson qui est en première position. Malheureusement, l'enthousiasme vous fait faire une erreur sur le verbe. Amira, une erreur aussi parce qu'il manque le N. Yossi, une erreur aussi sur le verbe. Ice Cubes,
Ice Cubes a la bonne forme. Félicitations. Ensuite, Yulia, un petit peu généreuse avec les N et avec les M. double N, Yulia. C'est... Aujourd'hui, il n'y a pas de limite. On y va. Alors, regardez. L'idée, c'était d'avoir ici trois choses. La première chose, c'était main. Bon, je regarde et ça, c'est bien écrit. Donc là, c'est bien. M-A-I-N, et donc c'est féminin. Ensuite, c'était le verbe se promener. Mais regardez votre sujet. Votre sujet, c'est il, I-L-S. Donc, soyez généreux avec le verbe. Et vous mettez, s'il vous plaît, E-N-T pour la troisième personne du pluriel. Et la dernière chose, c'était en fait le verbe plonger. Et regardez, regardez, c'est normalement l'infinitif. Donc ça, tout le monde l'a eu. Victoria Jacques, attention, c'était infinitif. Hein, avant de plonger. Phonétiquement, c'est OK, vous l'avez bien écrit, mais c'est avec infinitif. Ice Cubes, oui, champagne. Ouais, et puis c'est vendredi. Hein. C'est vendredi, donc c'est nécessaire. Regardons la troisième chose. Ce paradis, Aya ne l'abandonnerait pour rien au monde. S'il n'y avait ce terrible secret qui l'a fait grandir trop vite. Ce paradis, Aya ne l'abandonnerait pour rien au monde. S'il n'y avait ce terrible secret qui l'a fait grandir trop vite. Alors Yossi pose la question, main en général, oui Yossi c'est une expression, main dans la main, c'est-à-dire deux personnes qui se tiennent la main. Alors, regardons ici, nous étions à la recherche de trois éléments. La première chose, c'était un substantif, donc un nom. C'est paradis. Souvenez-vous, paradis, hein, on l'écrit IS. Donc, parce que des fois, on l'écrit un petit peu à l'anglaise, mais là, tout est bien. Donc, félicitations. Alors, deuxième chose, le verbe, c'est abandonner. Et là, on est d'accord que on le met au conditionnel présent, c'est la troisième personne. Elle abandonnerait. Hein, souvenez-vous, hein, c'est comme ça qu'on va le construire. Infinitif plus A-I-T. Infinitif, abandonner, A-I-T. Vous combinez, elle abandonnerait. D'accord ? Bon, ici, c'est la négation, mais en tout cas, c'est la construction. Et le dernier élément, c'était l'infinitif, puisque vous voyez qu'il arrive juste après le verbe faire qui est conjugué. Donc, grandir doit être à l'infinitif, et vous entendez le R, hein, grandir, d'accord ? Allez, regardons ensemble les trois choses, et j'espère que vous allez lire avec moi. Première chose. Aya, c'est une fille de 12 ans, pas encore une femme. Elle ne rêve que d'épouser son petit amoureux Ousmane. Deuxième élément. Main dans la main, ils se promènent sur les bancs de sable avant de plonger dans l'eau. Troisième élément, ce paradis, Aya ne l'abandonnerait pour rien au monde.
s'il n'y avait ce terrible secret qui l'a fait grandir trop vite. Alors, c'est comme ça qu'on parle. Vous vous souvenez que nous aimons bien découvrir un petit peu de français familier, c'est important. Mais souvenez-vous que le français familier, c'est bien de le connaître. Pour l'utilisation, il faut faire très, très, très attention. Attention au contexte et attention aux personnes avec qui vous utilisez ce français familier. Faites très très attention. Alors, on attaque avec la première chose. Et la première chose, c'est la zonzon. C'est un nom. La zonzon veut dire la prison. Un exemple, quand on fait des conneries, il faut s'attendre à faire un passage en zonzon. Si vous faites des bêtises, vous devez vous attendre à aller en prison. D'accord ? Alors, s'il vous plaît, écrivez-moi une petite phrase avec la zonzon. Merci. Et on attaque directement avec Julia qui nous dit, et en plus ça rime, c'est formidable, Julia nous dit, la zonzon, c'est pas bon. Yesero qui nous dit, personne ne veut être en zonzon, mais bien sûr. Ravija nous dit, si tu fais mal, tu dois aller à la zonzon. Fais, F-A-I-S, très bien corrigé, Ravija, merci beaucoup. Alors ensuite, Yossi nous dit, la zonzon, c'est l'endroit pour les criminels. Oui, Daria nous dit, le fait triste est que Nelson Mandela a passé 27 ans dans la zonzon. Mais c'est vrai, et c'était pas un criminel. Oui, Dad, il a commis une grande erreur, il va à la zonzon. Faites attention, oui, Dad, erreur, singulier, pas de S à la fin, d'accord ? Meisso, si tu voles de l'argent, tu vas aller à la zonzon. Eh oui, H. Watson, je n'ai pas... J'ai pas compris ce que vous avez dit, H. Watson. Est-ce qu'il y a d'autres choses ? Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent s'exprimer sur la zonzon ? Ou est-ce que les gens sont un petit peu trop timides ? Alors, je ne sais pas. Est-ce que je dois appuyer ? Allez, je vais appuyer et nous allons passer à la chose suivante. Oh non ! Victoria, je dois lire ce que vous m'écrivez. Pendant le confinement, nous étions en zonzon. C'est vrai ! Vous avez raison, Victoria. On avait le sentiment d'être effectivement dans une prison. Une prison dorée ! Mais une prison quand même. Ritem, si vous sauvez le feu, si vous grillez le feu rouge, vous serez envoyé en zonzon par le policier. Ça dépend des pays. Pas dans tous les pays quand même. Sapna, j'ai perdu mon portefeuille et j'ai appelé les flics et après ils tiennent le criminel et il est allé en zonzon. Très bien. Regardez. Alors, la prochaine chose, c'est aussi un nom, c'est un zincou. Alors, un zincou, ça, c'est clairement du verlan. Donc ça, il va falloir que je vous prépare quelque chose sur le verlan. Comme je vous ai expliqué, l'idée, c'est de changer finalement l'ordre
des syllabes, et donc cousin se transforme en zincou. Et donc un zincou, c'est un cousin, la personne qui fait partie de votre famille. Exemple, tiens, je te présente mon zincou, il est de passage chez Wam. Tiens, je te présente mon cousin, il est de passage chez moi. Wam, c'est également du verlan. Ça veut dire qu'il passe quelques jours chez moi. Il est venu chez moi pour quelques jours. Allez, s'il vous plaît, écrivez-moi une petite phrase pour illustrer un zincou. Alors, Amira nous dit en premier, je rends visite à mon zincou. Très bien, Amira, quand vous écrivez je rends, mettez le S à rend, parce qu'en fait, comme on le conjugue à la première personne, c'est avec un S. Ash Watson, il y a des zincous chez moi que je n'aime pas du tout. Ok. Ravija qui nous dit mes zincous sont très serviables avec un S, j'aime voyager avec eux. Eh bien, ça, c'est bien. Yulia, mon zincou n'est pas la zonzon. Par contre, il est parti en lune de miel. Ah, Yulia, ça devient une spécialiste, hein. Meiso, quand mon zincou vient chez moi, on joue ensemble. Eh bien, très bien. Daria, Indira Gandhi a combattu avec le népotisme. Trop de zincous étaient dans la politique. Merci. Ravija, il y a un féminin pour zincou. Oui, excusez-moi, Ravija. En fait, c'est zincou. Hein, puisque l'idée, c'est d'inverser les syllabes. Donc, cousine se transforme en zincou. D'accord? Donc vous pouvez mettre le féminin aussi. Une zincou, c'est une cousine. Sophia X, pourquoi on parle comme ça? Cousin et zincou sont renversés. Alors Sophia X, c'est ce qu'on appelle du verlan. Et ça existe depuis très très longtemps. Moi, mon grand-père, qui était parisien, utilisait aussi le verlan. C'est quelque chose qui est assez ancien, qui a été peut-être redécouvert dans les années 90 et après 2000 et 2010, mais ça a toujours existé. C'est juste pour jouer avec la langue. Chaton, j'ai parlé à mon zincou aujourd'hui qui vit à Toronto, très bien. Yossi, notre zincou habite à Berlin, oui. Radia, j'adore mon zincou, très bien. Yulia, donc ça y est, Darren Sang, j'ai un zincou qui parle six langues, il est très intelligent, oui. Yesero, mon zincou habite dans un pays lointain, c'est parfait. Sapna, mes zincous m'ennuient parfois, oui. Pluriel, m'ennuie, ENT. Victoria Posse, je suis allée avec mon zincou prendre un café, très bien. Widad, hier, j'ai invité mon zincou, oui. Ice Cubes, as-tu plus de deux zincous? Moi aussi. Très bien. Irene ou Irène, hier, mon zincou. Alors attendez, m'étonnez, parle-moi d'emprunter de l'argent. Ah, il vous emprunte de l'argent. Ravija,
Zinku, oui. Très bien. Bon, bah écoutez, c'est parfait. Regardons la troisième chose. Et la troisième chose, c'est le zef. C'est aussi un substantif, c'est un nom. Et le zef veut dire le vent. Exemple, tu as vu, aujourd'hui, il y a un zef de malade. Ça veut dire, tu as vu, aujourd'hui, il y a beaucoup de vent. S'il vous plaît, écrivez-moi une phrase avec le zef. Alors, Yossi demande Zinku pour le féminin. Oui. Hein, comme j'ai écrit. Alors après, comme c'est du français familier, vous pouvez idéalement Yossi vous l'écrivez avec un Z, parce qu'avec le S, la sonorité est trop forte. Donc, comme c'est cousine, zzzz, on doit commencer et donc on doit mettre un Z pour que ce soit pas trop fort. Zinku, Z I N E-C-O-U. Alors, je regarde. Ravija qui nous dit, j'aime ce mot zef. Il fait du zef aujourd'hui. Eh ben parfait. Ice Cubes, je n'aime pas le zef quand il fait froid. Ben oui. Julia qui dit, je n'ai pas compris. Ben le zef, Julia, c'est le vent. Hein, quand il fait du vent, quand il y a du vent. Oui, Dad. Fermez la fenêtre, s'il vous plaît, il y a du zef. Oui, Ritem, j'aime quand le vent léger touche mon visage. D'accord, mais vous n'avez pas utilisé le zef, Ritem. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Yesero qui nous dit, le zef m'a fait tomber. Oui, c'est vrai. Alors, il faut faire attention, hein. Amira, en hiver, le zef est fort. Oui. Sophia X, la tempête. Attention, vous avez oublié le T et le E. Nous donner beaucoup de zef, oui. Victoria Possé, quand vient la Dana, fait le zef. Alors là, Victoria, je n'ai pas compris. Quand vient la Dana, fait le zef. Je n'ai pas compris, Victoria, je suis désolée. Daria, en Norvège, il y a beaucoup de zef. C'est bon que les gens ont inventé des vêtements spéciaux. Quand les Anglais disent qu'il n'y a pas mauvais temps, il y a des mauvais vêtements. Et ça, c'est vrai. Yossi, donc d'accord. Irène, aujourd'hui, il y a un zef cassant les arbres autour de chez moi. Oui. Ash Watson, aujourd'hui, quand je suis allé à l'hôtel, chez moi, il n'y avait pas de zef. Oui. Darren, il y a du zef partout, je n'aime pas trop. D'accord. Alors ensuite, Ice Cubes, le zef fort est la raison des vagues pour le surf. Très bien. Sophia X, la tempête nous donnait beaucoup de zef. Oui. Yossi, avec 31 C et pas de vent, c'est le zef. D'accord. Alors, j'ai l'impression que les autres. Alors, attends, si, Julia, le zef de changement n'arrive pas. Mais non. Oui, bon, d'accord, si vous voulez. Chaton. Chicago, l'endroit où j'ai vécu pendant 2 ans, il y a un zef très fort en hiver. Bah oui! Et voilà. Tout ça, c'est très, très bien. Sapna nous dit, j'aime le zef toujours, ou j'aime toujours le zef. Et ça, c'est bien. Vous l'avez bien utilisé et félicitations.
Et comme d'habitude, nous finissons avec le plat du jour. Et aujourd'hui, nous allons découvrir quelque chose que vous aimez peut-être, je ne sais pas, mais c'est le soufflé. Alors, Aria qui me demande, do you speak English? Yes, I speak English. Look at my videos. I speak only English in them. Mais pour, but for these lives, I'm only speaking French because I don't see any point in doing that in English. Je m'excuse, Aria. Et surtout pour parler du soufflé, bien sûr que je vais présenter le soufflé en français. Je ne sais pas si vous aimez le soufflé. Moi, j'aime bien. Alors, regardons, comme d'habitude, trois choses pour présenter le soufflé. Oh ! Écoutez, eh bien voilà, il y a un problème technique. Oh mon Dieu, quel dommage ! Ah ben écoutez, alors ce qu'on va être obligé de faire, il n'y aura pas de dictée. Regardez, quel dommage. Eh bien, ce sera comme ça. Non ! Je vous ferai le soufflé demain, probablement, où on fera quelque chose d'autre. C'est dommage, je pensais avoir préparé. Je vais vous lire la présentation du soufflé. Lisez avec moi, et puis il n'y aura pas de dictée, tant pis. Première chose. Un soufflé est une spécialité culinaire réputée pour sa légèreté. Deuxième chose. La première mention de cette recette est attribuée au chef Vincent de la Chapelle au début du XVIIIe siècle. Troisième chose, c'est un plat préparé avec des jaunes d'œufs, combiné avec des ingrédients variés. Je sais, et moi aussi, je suis désolé. Ah, quel dommage! Et spécialement, vous savez quoi? Je voulais terminer en vous proposant, et voilà, regardez, j'appuie. Si vous êtes à Paris, si vous avez envie de découvrir l'expérience du soufflé, je suis allé dans ce restaurant, qui est probablement le seul restaurant à Paris où vous pouvez avoir du soufflé du début à la fin de votre repas, c'est-à-dire salé et sucré. Et franchement, allez-y, c'est vraiment, vraiment sympa. Il faut réserver parce que c'est tout petit et il y a beaucoup de personnes. Alors, je ne sais pas actuellement comment ça se passe. Vous voyez l'adresse. Et vous voyez le site internet. Bon ben écoutez, c'est un petit peu spécial hein, pour finir. C'est un petit peu dommage, non ? Alors, ne vous inquiétez pas. Non, je ne m'inquiète pas, il n'y a pas de problème, hein, vous savez. À mon âge, ça va. Donc, cette semaine, comme d'habitude, c'est à 16h. Donc, ça veut dire que même pour le week-end, je me ferai un grand, grand plaisir de vous retrouver. Peut-être que ce sera un petit peu plus court, je ne sais pas, on va voir. En tout cas, merci beaucoup, c'était vraiment, vraiment sympathique. Passez une bonne matinée, bon après-midi, bonne soirée ou une bonne nuit et à demain. Au revoir.